Salut à tous, bienvenue sur TechTrends TV. Aujourd'hui, nous allons parler de NAS. Pas n'importe lequel, le AS202TE, un NAS multimédia fabriqué par Asus Store. Asus Store est une filiale de Asus, une société qui fabrique des NAS depuis 2011. Elle n'est pas encore très connue en Europe. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle d'entrée de gamme multimédia. Donc, l'avantage de ce produit, c'est que d'un côté, c'est un NAS tout à fait classique avec toutes les fonctions que l'on trouve aujourd'hui actuellement sur les NAS. Et c'est aussi un NAS multimédia qui va permettre de pouvoir regarder par exemple des films sur sa TV directement en se connectant en HDMI. Allez, c'est parti! Le AS202TE est un modèle d'entrée de gamme de la marque et malgré tout un modèle très complet. Ce NAS est équipé d'un processeur Atom 1,2 GHz, dual core et 512 MB de RAM. C'est assez suffisant pour un NAS en général. Il dispose de deux baies permettant d'y insérer deux disques durs, 3,5 pouces ou 2,5 pouces ou encore des SSD, même si le gain de performance reste minime pour ce genre de configuration. Vous pouvez lier les disques durs en RAID 0 ou 1, votre choix va dépendre de vos besoins, mais de façon générale, je recommande le RAID 1 qui copie directement les données d'un disque sur l'autre. Si vous avez besoin de performance ou de place, le RAID 0 est une solution, à condition de backuper vos données vers un disque dur relié via USB ou encore en cloud. L'AS202TE est un NAS performant qui ne consomme pas trop d'énergie, 0,8 watts en slim mode, et 19,7 watts en utilisation selon constructeur. En pratique, sa consommation est un peu supérieure dans la moyenne des NAS multimédia comme le Synology DS214 Play qui est un modèle assez connu et qui est pourtant plus puissant. Asus présente ce NAS comme étant un cloud personnel multimédia qui permet d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos en le connectant directement à la télévision grâce à son port HDMI. C'est donc ce port qui va faire toute la différence avec les NAS de la concurrence. Comme j'ai connecté le NAS à mon réseau en passant par un CPL relié à une Apple AirPort relié à mon ordinateur en Wi-Fi, je ne vais pas vous donner les résultats de mes copies de fichiers, mais il est plus rapide et un peu plus que mon WD Live vieillissant qui est pourtant raccordé en filaire. Les fichiers peuvent être copiés par le partage de disques en drag and drop dans une fenêtre du navigateur. Sur ce point, le Asus Store offre une très bonne ergonomie grâce à ses propres logiciels développés sur mesure. L'utilisation du NAS est globalement assez simple. Le NAS est compatible avec les produits Apple et pourra servir de time capsule. Sur PC, c'est l'utilitaire Backup Plan qui vous permet de configurer simultanément jusqu'à 6 plans de sauvegarde. Pour Linux, il prend en charge les protocoles NFS, AirSync et Samba. Vous accédez à ADM, le système d'exploitation d'Asus Store, avec une fenêtre de votre navigateur. Celui-ci ressemble beaucoup à ce que l'on trouve sur un Synology. Vous pouvez installer des modules en passant par son app centrale. La liste des applications à ajouter est classique mais complète. Pour les développeurs, on trouvera un guide, des librairies Java, Ruby, Node.js, des serveurs web, des bases de données MySQL, PostgreSQL ou MongoDB, des CMS pour monter un intranet, des systèmes de gestion de projets ou de tickets, en somme tout ce qu'il faut pour une petite agence web par exemple. On va trouver également des outils pour gérer vos backups, par exemple pour faire des synchros avec Dropbox. Ce NAS brille par son grand nombre de choix de logiciels de téléchargement, des clients FTP, mais également des clients torrent tels que uTorrent ou Transmission, qui est mon client préféré. La bonne surprise est certainement le serveur Minecraft qui s'installe en un clic, même s'il faut tout de même le configurer à la main par après. Malgré tout, une grosse partie des logiciels ne sont que des outils pure web, un peu vieillots, qui n'apporteront pas grand-chose. Les outils les plus intéressants sont généralement développés par Asus Store himself. Passons à la partie multimédia. Comme je l'ai précisé, Asus Store essaie de s'imposer comme la meilleure solution de NAS multimédia. Ce modèle est un peu limité en matière multimédia puisqu'il ne peut pas faire de transcodage. Pour le reste, il s'en sort très bien. Une fois connecté en HDMI sur votre téléviseur, il pourra faire tourner XBMC, aujourd'hui on appelle ce logiciel Kodi, qui est un media center vraiment génial. Il propose également de bons logiciels pour les fans de musique, un serveur iTunes, Subsonic ou Subgood. Grâce à sa sortie mini jack, il peut se connecter à des enceintes et prendre la place du système Wi-Fi. Ça, c'est assez sympa. Il est également équipé de bons serveurs de vidéo tels que Plex et DVB Link. Pour une utilisation en tant que Media Center, l'Asus Store AS202TE peut compter sur une télécommande vendue en option. Mais entre nous, il est préférable d'installer l'application sur son téléphone qui s'en sort un peu mieux. Les points faibles ? Un peu trop bruyant pour le salon, ce NAS trouvera plus facilement sa place dans un bureau.
Du coup, on perd un peu l'intérêt principal qui est de mixer le stockage et le multimédia. On se retrouve donc face à un modèle qui est en concurrence directe avec Synology, avec une app, des marques qui ont un peu plus d'expérience. Comme c'est souvent le cas, Zustore a développé des apps iOS et Android pour stocker ses photos et écouter sa musique. Je les trouve plus ergonomiques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!